Hello! Je suis assise par terre dans mon salon alors qu'il y a un canapé derrière moi. J'ai déjà fait une vidéo avec ce fond là, je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et c'est ma mère qui m'a dit que c'était beau. Elle m'a dit que le fond était joli du coup. On n'est pas là pour parler de ça, bref. Donc aujourd'hui je retrouve pour faire une vidéo très bizarre. Je l'avais vue sur la chaîne de Je ne suis pas jolie quand elle l'a sortie. C'est sa vidéo sur les combinaisons de nourriture un peu bizarres. J'avais trouvé ça tellement drôle. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas un plagiat. C'est une inspiration. M'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît parce que voilà. J'ai trouvé des combinaisons sur internet, genre des trucs vraiment bizarres. J'ai surtout voulu faire cette vidéo parce qu'en fait la bouffe c'est ma vie. Il y a des trucs que je mange que les gens trouvent ça trop bizarre, moi je trouve ça normal. Et des trucs que les gens mangent que je trouve ça trop bizarre et eux trouvent ça normal. Du coup je vais tester 5 combinaisons bizarres et si jamais vous voulez une partie 2 avec plus de trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer par les trucs un peu soft. On va dire que je trouve ça bizarre mais que je pense que ça peut passer. Les gens qui font tartines, beurre et Nutella. Non. Le premier truc, c'est le truc typique en Amérique, c'est le peanut butter jelly. C'est mon produit Migros beurre de cacahuète, s'il vous plaît, sponsorisez ma vidéo. Le beurre de cacahuète. Et la petite confiture de groseille. Ça, c'est fait maison, c'est ma maman qui fait les confitures. J'ai une petite tartine. C'est la confiture de groseille, si ça se trouve, c'est ça qui va fausser mon truc. Moi, franchement, j'adore le sucré salé. C'est un truc vraiment, je kiffe. Je sais pas pourquoi. Du coup, je pense que les trucs comme ça, ça devrait pas me déranger. Oh, c'est bizarre. En soi, ça va. C'est pas dégueu, mais c'est pas le truc que je me ferais au petit-déj, quoi. Ouais, j'adorerais la pouffe. Puis là, ça va. Le suivant, c'est aussi avec du beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète et cornichon. Pour ces combinaisons-là, je me demande ce que les gens ont pensé quand même. J'ai trop de vinaigre. Ah non. Ah non. Ah. Ça va pas me sentir. Ah non, 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 non. Non, moi j'aime pas ça. Du coup, le troisième, c'est du pain, de la mayonnaise et une banane. Mais j'ai même pas envie de goûter. Vous voyez pas qu'il y a un truc qui cloche dans l'appellation mayonnaise-banane? Tiens à dire qu'il est quand même 3h de l'après-midi. Et que tous ces petits trucs de merde là, ça va être mon 4h en fait. Étonnamment, ça va hein. Je suis choquée. Non, la mayonnaise-banane, ça se marie plutôt bien. Franchement, j'ai bien kiffé. Les deux derniers tests, ça va être avec du salami. Alors déjà que moi de base, je suis pas fan du salami. Mais alors là, avec ce que je vais le mélanger. Premier truc, c'est salami confiture. Oh l'odeur, oh non. Mais, c'est une blague. Non c'est bon. Enfin, c'est pas bon, mais c'est pas dégueu. Mais je suis choquée par cette vidéo en fait. En fait, les gens sont pas à ce point bizarres. Et du coup, dernier truc, c'est du salami et du raisin. Je fais quoi? Je l'enroule? Je vais faire comme une farine de ta soeur. Ouais, non. Je crois que c'est parce que j'aime pas le salami. En soi, ça va. C'est pas bon. Voyons quoi. Mais je pense que... Je pense que je suis pas très objective parce que moi déjà de base j'aime pas le salami. Voilà. Mais franchement ça va. Du coup j'ai tout goûté, tout testé les 5 combinaisons que j'ai trouvées sur internet vraiment bizarres. Ma préférée c'était vraiment beurre de cacahuète confiture. Il y a des gens qui mangent tellement souvent ça que je m'attendais pas à un truc dégueu. Enfin, un truc que j'ai vraiment détesté c'est cornichon beurre de cacahuète. Alors ça, no way, ne mangez pas, c'est immonde, ça ne sert à rien. Le truc que j'étais vraiment surprise c'est pain mayonnaise banane. Alors je m'attendais pas du tout à ce que ce soit bon, mais franchement, banane mayo. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites vous comme mélange bizarre. Moi un mélange que je fais, que les gens trouvent ça bizarre, moi je trouve ça parfaitement normal parce que je le fais presque tous les matins. C'est mes tartines, je mets beurre, confiture et fromage par dessus. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne, forcément. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. I can give you love, the feeling that you get to know.